Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Space Tail. Alors, on doit sortir de la décharge. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'aura étant violette fait rajeunir Béa. Oui, c'est vrai. Donc, ça va me rendre plus petite. Ah, bah, c'est bien. Voilà, pirater, très bien. C'est ce qu'il fallait. Je pensais naïvement pouvoir passer. Alors, à nouveau ensemble. Donc là, on a le truc violet. Mais bon, je suis déjà assez petit comme ça. Ok, il faut que je monte. Et la batterie, là, elle alimente les câbles électriques. Je crois que je vais pas être assez grand. Si, ça va. Là, je vais le péter. Ah, je peux pas. Attends, je le pirate. Ça a rien foutu parce que ça continue de faire occasionnellement des... Bon. Ok, allez, je monte. Qu'est-ce que je vais faire de cette caisse? Parce que j'ai l'impression... Ah voilà. Que je peux monter avec. Ah, là, ça s'arrête jamais. Il faut casser, donc là, voilà. Ok, maintenant ça va être bon. Mais je peux plus monter. Si, voilà. Ok. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller, mais on va aller quand même jeter un oeil si on peut pas monter. Bref, il n'y a rien. Voilà, on a piraté ça, maintenant il y a de l'eau qui s'écoule. De tout en haut, ça veut dire que maintenant l'eau va en bas. Ah oui, et ça me permet, voilà, et ça me permet de pas m'empaler sur les rochers. Alors là encore un truc pour rajeunir. Ah, ça m'intéresse pas, je suis tout petit. Ouais, mais c'était obligé pour passer. Oh là là, les sauts, ils sautent pas haut, peu cher. Mais je vais y arriver là. Ok. Je sais pas où aller. Lui non plus, parce qu'il est trop jeune, je crois. Bah allez. Yes, ça passe. Et là, regardez, je vais pouvoir... Je réfléchis en même temps, mais je vais pouvoir grandir un peu. Voilà. Pour sauter plus haut. Non, on peut pas passer. Je pensais que c'était un secret, mais on peut pas passer. Je sais pas où aller. Ah là, j'en étais sûr qu'il y avait une connerie comme ça. J'en étais sûr. Bon, c'est pas grave, parce que je suis trop lourd. Oh putain. Ça commence les trucs. Ah non! Ah, je suis trop vieux, je vais mourir. Oh, c'est bon. Ah ouais, mais là, en étant âgé comme ça, c'est compliqué. Ah ouf. Ok. C'est quoi? Un bricoleur esseulé. Il s'en fout de moi. Eh ben tant mieux. Là je passe. Non, je suis trop grand. Faut que j'aille me rétrécir un peu. Me retrécir, c'est mieux. Filez-vous dessous du bricoleur. Moi, ça devrait aller là. Regardez-moi ce bébé chien. Moi, oui, c'est le bébé chien. Mais il creuse bien ce bébé chien. Allez. On va pouvoir regrandir. Et c'est quoi ça? Ah, coucou. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Il est vénère du coup? Qu'est-ce que c'est que ces souvenirs? Elle se souvient de quand elle était avec son bébé de la peluche et qu'elle a été enlevée. Mais c'est horrible. Genre... Et je dois jouer en même temps. D'accord. Donc là, je suis devenu plus jeune. Faut que j'aille là. Ouais, faut que je pirate ça. Pas passer loin. Aïe! Heureusement. Ok, ça me vieillit. Et moi, je rajeunis. Vite à purée. C'est bon.
Alors, faut que je fasse le tour. Ok, faut que je fasse gaffe, c'est électrifié. Et il peut pas me toucher, tout va bien. Donc en fait, il faut que je lui jette ça. Pour qu'il le... Ouais, il va falloir que je me mette derrière. Ouais, j'attends que ça... Voilà, là c'est bon. Et là, du coup, il va tirer là-dessus. Ok. Donc c'est ce qu'il faut faire. Encore. Donc il y a une deuxième phase. Allez, encore les souvenirs, mais en plein milieu, je... Je suis même pas censé... Je sais même pas ce que je vois. Ok, la rencontre avec Rose, là, je sais plus. Mais je vois rien. J'aimerais voir où je vais, s'il vous plaît. Ouais, on va essayer par là. Heureusement. Là, il va me toucher. Si je reste là, c'est bon. Ok, un truc à pirater. Je peux pas. Il faut que je fasse tout le tour. Ce que j'ai dû pirater, c'est la possibilité de faire le tour. J'essaye quand même, hein, mais non. Ouais, c'est mort. Impec. On va pousser ça. Je peux rajeunir. Ouais, il va falloir parce qu'il m'a vieilli. Donc lui, il me vieillit. Yeah, pas mal la technique. Vous avez vu, si je me mets entre ses jambes, il arrête de tirer. Là, il m'aura pas. Ok. Pas. D'accord. Il faut peut-être que je repirate ou que j'aille le taper. Ou peut-être même il peut tirer dessus de là. Hop, arrête de me tirer dessus. Gauche, droite, je te rends fou. Ah, je suis devenu bébé. Pas bonne idée. Eh ben, il faut qu'il me tire dessus. Voilà. Bah, il y a des fois ça passe sous les plateformes, des fois non. C'est un peu chiant quand même. Ouh, mais non. Allez, tire. Ah, je trop. Ça va, je suis assez lourd. Aïe. Ah, c'est bon. Ça a compté comme... Soit je suis mort, soit ça a compté comme... Ok. J'ai pas bien vu. C'est bon. Touché par les souvenirs que lui raconte Béa, une compréhension s'établit entre lui et révèle son nom, Phlegyas. D'accord, donc je vais raconter mes souvenirs pendant le combat, quoi. Phlegyas uses his clock power and creates a transport field. They disappear from the planet, oblivious that they have a stowaway who barely made it within range of the teleport. Ok. Le passager clandestin, on le connaît, c'est Bobby, non? While defending C'est himself Rose. against the manipulated Rose, Rose manipulée. Phlegyas Elle frees libère her from l'emprise the de l'IA, AI's mais l'explosion résulte, However, qui en résulte éloigne Béa. Oh resulting non! explosion blasts B away. Et je vais où moi comme ça? Ah, tu t'en fous là, tu vas pas venir me chercher toi, hein? T'es sûr? B arrives and is greeted by thunderous cheers and applause. The familiar scent of the forest and its inhabitants On les connaît, eux. but also makes her irrationally anxious. Was this road here before? The Drydens trust B more than they used to, which is why they have revealed it. A sarcophagus deep in the ground heralds her next task. The memory of a risk blocking Bobby's path suddenly returns and makes her think and hesitate. But the Drydens are everywhere, crowding around B. Ouais, ça va, si c'est mes potes maintenant, c'est cool. Alors. Ouais, allez, gauche. Le sarcophage d'Eris. Très bien. J'espère que vous comprenez que j'ai absolument aucune idée de ce que je fais, hein. Voilà. Ok, je vais là, très bien, c'est pas genre, ouais, je sais, il faut aller là. Ok, on peut pirater ça. Je peux pas monter dessus. Si, je me suis pris comme un pied, c'est tout. Ok. Ouh, ça va pas me plaire. Ah, il y a lui aussi. Ok. Ah, ça va vraiment pas me plaire. Oh, purée. Mais, et du coup, je peux bouger ce duo aussi. Il faut que j'aille... Comment je monte? Bah, comment je peux faire pour monter? Il faut que j'aille à gauche.
Bon, y a rien. Ah, mais j'ai le double saut, je suis bête. Chez Eris. Enfin, Rose. Il me dit d'aller là, mais il n'y a absolument rien. Bon, je pense qu'il va falloir que je pirate les... Aïe, ça fait mal. Il faut que je pirate les trucs là maintenant. Voilà. Mais il y en a d'autres. On va déjà faire lui, hein. Ouais. Ok, Eden. Bon, ça va, il était assez simple. Oh là là, il y a encore lui. Ah, lui, je peux pas. Il y a rien qui se met. Ah ouais, ok, je pense qu'il faut l'alimenter avec les deux autres. Ouais. Ok, il a l'air compliqué, je vais voir si l'autre est pas plus facile. Mais il a l'air plus facile. Mais non, ouais, il en a juste l'air. Ok. Achevez-moi! C'est trop dur! Oh mais non! Ouais, ça a l'air d'être le... Eh ben non, non plus. Ouais, ça a l'air d'être le bon. Mais du coup... Oh là là, comment je change... C'est les deux du milieu que j'arrive pas à bouger comme je veux. Ouais, là, je peux toujours rien faire. Ok. Du coup, je retente celui-là parce que c'est trop dur avec les trucs, les angles là. Alors, on part de là. Ok. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ouais, il faut que je fasse le tour. Voilà. Attends, c'est quoi le truc en haut là? Il y en a encore. Non. C'est pas possible, c'est trop dur. J'en ai marre. C'est vraiment un des jeux casse-tête avec de vraies énigmes bien compliquées. Y a pas à dire. Et en plus de ça, c'est pas parce que vous comprenez l'énigme que vous arrivez à la réaliser. Enfin, en jeu, vous avez des phases où vous savez ce qu'il faut faire, mais c'est tellement dur. Bah c'est bon, nickel. Que c'est pas pour autant qu'on arrive à le faire, même si on sait quoi faire. Alors, bon, lui, toujours pas. Alors, il me reste lui. Lui, je peux rien faire. Hein. Toujours pas. Parce que lui, il m'a l'air plus simple, mais non. Ok. Bon, bah, faut y aller. Hein. Je me dis que si je bouge au hasard dans tous les sens, ça va bien finir par, par marcher. Ah ouais, mais lui, il est chaud. Là, il est dans le bon sens. Celui du milieu que je veux. Ah, passer par en haut. Il n'y en a pas un autre. Je me trompe, enfin que j'en oublie pas. J'aimerais bien en faire un autre parce que lui m'énerve. Ouais, ok, il n'y a rien par-dessus. Non, il y a lui, on l'a fait. Bon, bah, il nous reste plus que celui du bas. Y a rien d'autre. Magnifique. Voilà. Donc je pense qu'il faut peut-être partir par là et descendre. Et redescendre. Bon, j'ai fait une pause pour chercher une soluce. Et donc il faut que je fasse ça. J'ai vu le résultat final, du coup ça va m'aider. Ça a l'air d'être ça. Voilà, et après au milieu. Ouais, bah même avec la soluce, je galère. Je sais à quoi ça doit ressembler, mais j'arrive pas à le faire. Ouais.
Voilà, part en haut, ensuite lui part en bas, et enfin, voilà! Donc maintenant je peux aller au milieu. Alors. Je comprends pas trop. Parce qu'on dirait qu'on n'est pas du tout sur le même système. On n'est pas du tout sur le même système. Ah ouais, il y a des trucs qui s'allument. Vous voyez, les petits carrés s'allument. Enfin, les petits carrés, les petits angles. Il faut faire un carré, c'est ça? Alors, faut que j'aille par là. Un peu chiant la caméra là. Il faudrait que je fasse quoi? Un carré. Ah ouais, j'ai vu une grande. Voilà. Ok. Et donc maintenant je vais en haut, je fais pareil. C'est juste que paye ta caméra. Allez, viens. Lui, c'est bon. C'est bon. Faut les laisser comme ça. Et le problème maintenant, c'est eux là. Et ça m'en bouge un en bas. Ah bah voilà. Impeccable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où je suis. Bon bah on va par la droite cette fois. Je sais pas si même mon odorat ne me dit pas où aller. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours cette fonctionnalité là, là, de tout péter. Détruisez le sceau, libérez Eris. Ah ben voilà, je suis allé tout à droite pour rien. Allez, on y retourne. Franchement, je me dis qu'est-ce qui. On arrive sur la fin du jeu et je me. J'ai peur, je me dis qu'est-ce que ce jeu me réserve encore comme énigme complexe. J'ai peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois aller où? Je suis allé à l'extrême gauche, il se passe rien. Je suis allé à l'extrême droite, il se passe rien. Ah! Ok! Détruisez. Ah ok, d'accord, faut que j'enlève les blocs. Non, je vais aller par là. Ok. D'accord, si je tire suffisamment haut, il tombe. Je peux descendre. D'accord. On va bien, voilà. Il faut détacher les pièces point par point. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Ok, dégage. Là. D'accord, c'est là. Allez. Super. J'aime quand ça se passe comme ça. Ouais, parce que si je suis dessus, elle bouge pas. Normal, sinon on pourrait s'en servir pour se téléporter et tout. Et le jeu n'aimerait pas ça. Elle dégage! Ok. Suivant. Ben voilà. Là, c'est simple, on va tourner jusqu'à ce que on puisse enlever la pièce. Ouais. Bon, ça va, hein, c'est de loin l'énigme la plus facile. Par contre, il y en a beaucoup parce que c'est un peu nul. Non, pas par là. Ouais. Ok, cool. Ah, on entend le cœur battre. On se rapproche. Eh, dégage! Bah là, c'est la dernière, celle-là. Comment je fais? Ok, cool. Fou.
joyful cheers turn to screams of terror. C'est-à-dire. He abruptly awakens after losing consciousness, certain that if the Drydens feel they must run from. Ah, mais non, mais c'est quoi cette vanne là? Qu'est-ce que c'est ça encore là? Donc là, c'est pas moi qui joue. Hein. Alors, c'est quoi ça? Je pensais que c'était un téléporteur. Pas du tout. Ah, ok. Ok, ok, j'ai compris. Ça, ça me permet de voir. Bah, je le vois plus. Ah, ok. Il est apparu en bas. Donc moi je vais en haut. Alors qu'est-ce que c'est ça? Téléporteur. J'ai vu qu'il fallait activer des interrupteurs. Mais j'ai pas compris. Ok, je peux passer par là. La porte est fermée. Mais c'est mes amis, c'est mes copains. Mais maintenant ils vont me voir et ils vont être sympas avec moi. Hein, qu'ils vont être sympas avec moi. Alors parfait, ça je pousse ça. Ah, il me tire dessus! Mais t'es censé être mon pote! Hey! Je peux même pas parler avec lui. Ok, allez. Wing. Donc, je vous dispense d'une grosse phase de je cherche quoi faire. J'ai trouvé. Enfin, je pense. Alors, on va récupérer. Pff, allez! Allez! Et puis, pourquoi ça marche pas? Voilà. Mais je suis allé récupérer un petit. Voilà. Une petite lance. Allez. Ah, mais. Purée! Voilà. Une petite lance. Je vais péter tout ce qui fait. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Ouh! Oh le miracle! Ouf! C'est un truc de fou. Voilà, donc je vais péter tout ce qui fait du gaz pour pouvoir passer. Vous voyez, il faut que j'aille tout en haut. Donc il faut que je pète cette plante là aussi. Alors on va pouvoir repasser par là. Elle est là, on la voit. Alors, pour se faufiler, il faut que je pose ma lance. Eh merde, voilà. Sauf que ça m'embête beaucoup. Parce que c'est la même touche pour récupérer la lance et pour se faufiler. Ok, nickel. On pousse ça. J'ai peur. Normalement, c'est bon. Ouais. Merde, je suis nul. Ouais. Non. Ok. Allez, on pète ça. Il faut que je continue de monter, mais je vais juste voir un peu... Okay. On dirait qu'il y a une plante qui se rétracte en fonction de l'odeur, je crois. Allez, on retourne. Alors, il faut que je pose ma lance. Mais pas trop loin. Ok. Elle est trop loin. J'espère que je vais pouvoir la récupérer. J'en ai peut-être plus besoin. Allez! La faufilade. Je vais la rapprocher. Je peux rien faire. Ok. Ok. C'est pas mal. Nickel. Bon, tant j'en ai plus besoin, mais c'est pas grave. Alors. Que je reprenne. Ouais. Voilà, c'était tout là-haut. Cool. Voilà, donc on avait pété ça. On arrive devant le portail. Hop. Ouais, bon, vous voyez, on a fait, voilà, pour vous situer un peu tout le chemin parcouru. Mais en gros, je prends le portail pour... Pourquoi il veut pas? Je prends ma lance. Je prends le portail, ça va me permettre de me téléporter ailleurs dans cette zone-là. Donc c'était toute une zone un peu, enfin pas optionnelle, mais qui me permettait d'aller là où je ne pouvais pas aller. Parce que vous voyez, il y a un pilier rouge, j'essaie de vous montrer en haut à gauche.
il y a un pilier rouge qui fait que je n'aurais pas pu atteindre là l'interrupteur, sauf en empruntant le portail qui m'amenait de l'autre côté du portail et donc près de mon premier interrupteur. Alors maintenant, donc lui il est là, donc je peux pas y retourner. Vous voyez, j'ai un truc pour sauter, mais je sais pas à quoi ça sert. Parce que tout à droite, je crois que j'ai vu encore un pilier. Voilà. Ouais, il y a un pilier rouge et je peux pas passer. Mais vous voyez, il y a un interrupteur, un portail, pardon. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je prenne un autre portail. Et normalement, c'est celui-là que j'ai vu. Je prenne un autre portail pour sortir de ce côté-là du portail et passer derrière l'interrupteur. Derrière le pilier. J'y arrive, hein, j'y arrive. Ouais. Je crois que c'était presque tout en bas. Je crois que c'est lui. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci en ma compagnie. Et à bientôt pour la suite des aventures de Béa. Ciao.